Le président de la République, Mohamedou Abdelaziz, est arrivé ce soir à Nouadhibou, en provenance de la ville d'Istanbul, en Turquie, après avoir participé au premier sommet mondial sur l'action humanitaire qui s'est tenu du 23 au 24 mai 2016. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Wal Ahmed Youra, du président de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Wouldaf, des membres du gouvernement, du chef d'état-major général des forces armées, des autorités administratives et municipale et les élus de la wilaya. Au cours de son séjour à Nouadhibou, le président de la République inaugurera deux patrouilleurs de haute mer qui ont été construits en République populaire de Chine sur financement de l'État mauritanien et qui ont une grande capacité d'intervention. Ils contribueront donc à sécuriser les eaux territoriales mauritaniennes.